Bonsoir à tous et bienvenue dans Quelle Comédie, le magazine donc hebdomadaire de la Comédie Française qui nous permet de mettre en lumière, éclairé par des comédiens de la troupe, l'actualité de la semaine. Alors en ce 22 février, en direct ici depuis le secrétariat général de la Place Colette, nous allons évoquer Marivaux, dont la comédie en un acte, Les acteurs de bonne foi, est au programme du Théâtre à la table, diffusion samedi à 20h30 sur les différents réseaux du théâtre, Facebook et YouTube, rubrique comédie d'automne. Et puis pour donner corps et verbe donc à ces actualités, j'ai le plaisir d'être entourée par Claire de la rue du Camp. Bonsoir. Vous êtes pensionnaire et vous campez le rôle de Colette dans la pièce de Marivaux. Alexandre Pavlov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociétaire depuis 2012 et vous campez Eraste. Exactement. Dans cette même pièce. Voilà. Et Christian Eck, bonsoir. Bonsoir. Et vous, également sociétaire depuis 2013, vous êtes cette semaine à la direction artistique de ce théâtre à la table. C'est donc vous qui avez choisi la pièce de Marivaux dont on va découvrir un petit peu le sens tout à l'heure et puis comment elle est incarnée, mais peut-être faire un petit retour quand même aussi sur différentes actualités. Il y a eu dans cette période difficile, compliqué, de théâtres qui ont porte close, quelques échappées parfois de spectacles qui ont eu la chance de tourner, et ça a été le cas de 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers qui est un spectacle dont le succès est incroyable, qui a été auréolé des plus belles récompenses et qui s'est retrouvé à pouvoir jouer en Espagne. Vous êtes le capitaine Nemo, mais vous êtes aussi avec Valérie Lessort le metteur en scène, oui, cette adaptation. Valérie Lessort et moi-même, nous l'avons mis en scène, nous l'avons écrit, adapté. Et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable. On avait, comme tout le monde, on avait une magnifique tournée prévue et puis... évidemment, toutes les dates ont été annulées et on avait une semaine à Madrid et on n'y croyait vraiment pas. On dit ça, c'est la ville qu'on ne fera pas. On fera peut-être les autres, mais celle-là est improbable. Et finalement, c'est la seule ville que nous avons fait, parce que Madrid, c'est pas propre à toute l'Espagne, c'est propre à Madrid, parce que les maires de ville n'ont pas le même statut qu'ici en France. Ils ont plus d'autonomie. Cette mère dont j'ai oublié le nom, elle avait gardé les théâtres ouverts, les lieux de culture et les restaurants couvre-feu à minuit. Donc on a eu une chance incroyable, on a pu jouer en pleine période difficile que nous connaissons. On a eu la joie de jouer une semaine là-bas et puis d'aller au restaurant et de boire de la sangria. Et on n'a pas boudé notre plaisir. Et d'apporter du rêve, parce que si on s'arrête 2 minutes quand même sur ce 20 milieux sous les mers, c'est vraiment miraculeux de poésie, je trouve. Donc c'est aussi, je trouve que dans ces temps-là, d'offrir une sorte de bulle comme ça, avec ce théâtre, qui pour l'expliquer aux téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de le voir, mais bien que c'est vraiment ça, quand même c'est quelque chose qui a été diffusé et qui le sera sans doute à nouveau, ce théâtre qui est à la fois un théâtre d'acteurs, un théâtre au noir aussi de marionnettes. Comment vous est venue juste cette écriture quand même? Moi, il y a eu un temps de ma vie où j'étais dans la compagnie de Philippe Gentil, qui est un maître marionnettiste. Et ce monsieur m'a donné la passion de la marionnette. Donc je suis d'abord comédien, bien sûr, mais la marionnette est une chose qui m'a toujours attiré. Et notamment aussi la forme de marionnette hybride, qui est une marionnette qui est mi-comédien, mi-marionnette, ce qui est, je trouve, extrêmement un type de marionnette très, très intéressant pour les comédiens que nous sommes. En quoi? Parce que ça prolonge le corps de l'acteur? Alors, en ce qui concerne la marionnette seule, oui, ça prolonge l'expressivité du corps. Avec la marionnette, on peut atteindre des rapidités d'exécution que notre corps, de par sa densité, ne peut pas atteindre. Il peut être bien plus souple que notre propre corps aussi. Donc on peut exagérer des mouvements avec une marionnette qu'on ne peut pas faire avec notre... On a d'autres limites. Elles sont repoussées. Et comme Valérie Lessort et moi, on était passionnés par ça, on avait envie de faire un spectacle et on a proposé... mais on avait envie de faire un spectacle avec des marionnettes, mais on ne savait pas lequel, et on avait envie de le faire à la Comédie Française. Alors, c'est Valérie qui a eu l'idée
de monter 20 minutes sous les mers. On dit c'est parfait, c'est Jules Verne, c'est franco-français, donc ça va pour la comédie française. Et puis avec Eric a tout de suite été séduit par l'idée et il nous a demandé, on avait comme contrat avec Eric Ruff, qu'on n'engage aucun manipulateur extérieur à la troupe. Donc le but du jeu était d'apprendre aux comédiens qui pour la plupart n'avaient jamais touché une marionnette le plaisir de la manipulation. Donc j'ai pris des comédiens qui étaient prévenus qu'ils allaient devoir manipuler tous ces poissons et tous ces animaux bizarres qui vivent au fond des mers. Le fond des mers est évidemment un espace qui est intéressant parce que c'est une partie du globe terrestre qu'on ne connaît pas forcément bien. C'est même ce qu'on connaît le moins. Moins que l'espace, d'une certaine exactement, façon. Exactement. Donc, on peut encore inventer des animaux. Il y a sans doute des animaux qu'on n'a encore jamais vus, qui vivent. Donc, on peut laisser libre cours à notre imagination. Et puis, ce qui est intéressant avec les gens, les comédiens de la troupe, c'est que, en général, on est gourmand de tous ces arts qui sont parallèles à notre métier, mais qui font quand même partie du spectacle vivant. Je pense à les Serges pour la musique, le chant, la danse. Et là, c'est la manipulation. Et c'est l'acteur qui s'efface aussi. Oui, la oui. Ça, je ne citais pas de nom, mais il y avait notamment un acteur qui était un petit peu embêté, qui avait quand même peur, mais... Dis-moi, Christian, je vais être invisible pendant pas mal de temps, on ne va pas me voir, mon ego, il va en prendre un coup. J'ai dit, écoute, on va essayer, et tu vas voir que le plaisir qu'on a de manipuler sans être vu, quand on fait réagir les gens, on le reçoit comme si on était visible. Et effectivement, la première fois qu'on a eu du public, et qu'on avait une petite scène de comédie entre deux poissons, et que les gens ont commencé à rire, il s'est retourné vers moi et m'a dit, ouais, t'avais raison. Oui, c'est vraiment l'art de la discrétion. On doit être invisible et silencieux. Vous connaissez un peu, Alexandre ou Claire, ce rapport-là de marionnettes et de se rendre comme pas ça? Pas du tout. Non, pas du vous tout. Vous l'avez jamais éprouvé? J'ai eu des marionnettes quand j'étais petit, mais c'est tout. Quoi. Ouais. Non. Non, jamais. Et j'avais d'ailleurs une question à tous les trois, de me demander comment est-ce que vous étiez venus au théâtre? Est-ce que c'était par le corps ou par le verbe? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs façons. Je sais pas, c'est difficile à dire. Bah, ça peut être les deux, je crois. Moi, je sais que j'y suis venu parce que je pense que j'avais du mal à me dire. Donc, ça peut être par le verbe. Mais aussi, par exemple, quand on est face à d'autres, j'avais aussi du mal, enfin, les premiers temps, à me raconter par le corps. Donc, forcément, ça lie les deux, quoi. Mm-hmm. Donc, ouais, je pense que les deux. Vous, Claire ? Ben, comme ça, je dirais plus le corps, parce ouais. que c'est, ça vient petit, donc du coup, c'est le jeu, quoi, qui... Et le texte, pour moi, est venu très très tard. Mm-hmm. Donc je pense, oui, le corps. Mm-hmm. Et vous, Christian ? Ouais, moi, je suis un peu comme Claire aussi. J'ai été d'abord attiré par le corps. Ouais. Je voulais plutôt faire du mime avant de faire du théâtre. Oui. Le verbe est venu, le plaisir du verbe est venu plus tard. Mm. Comme on pourrait imaginer qu'il y en a qui sont plus tentés, qui aiment, par exemple, je ne sais pas, qui aurait aimé être acteur de cinéma muet. Enfin, on sent que le corps, quand on vous voit dans plusieurs choses, Christian, c'est vrai qu'on peut y penser, on peut deviner ça. C'est une pratique. Tu n'avais pas fait le coq, etc. Non, j'aurais bien voulu, mais non, j'ai travaillé tout de suite. Et du coup, mais c'était dans mon idée de faire. Ah. Mais c'est vrai, mais ça dépend du type d'acteur. Moi, j'ai la sensation que quand le corps est bien placé, quand le geste est juste, la parole sera juste. Ouais. Et puis, il y a des acteurs... Et vice-versa, d'ailleurs. Et inversement. Moi, je trouve que quand la parole est juste, le corps aussi se déploie aussi justement. Quoi. Ouais. Ouais. Et puis, de manière magique, ça fait fonctionner certains résonateurs, quand le corps est bien placé, qui fait que la voix... Même vocalement, oui, c'est ça. Exactement. Ah, oui, c'est une manière de s'ancrer ou pas. Oui. Et d'ailleurs, la voix doit, j'imagine, se placer différemment selon qu'on chante. J'allais dire qu'on chante du Racine. Joue du Racine, du Marivaux, ou des écritures plus contemporaines. Qu'on se sente grand ou que ce soit petit, qu'on se sente gros, parce qu'on dit, on peut avoir des sensations internes qui sont évidemment différentes de ce qu'on représente, mais forcément, la voix va être aussi modifiée par ça. Quoi. Mm-hmm. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment très lié. Pour faire un petit clin d'œil à ces tournées, donc, qui sont
portions congrues, mais qui ont existé. Vous avez, Alexandre et Claire, vous jouez hors la loi au Luxembourg. Ouais. Aussi l'occasion de sortir avec donc cette pièce. C'est un peu la même histoire que Christian, en fait. C'était notre seule Pauline sortie. Bureau, hein. Ouais, Pauline Bureau, un spectacle de Pauline Bureau, écrit et mis en scène par Pauline Bureau. Et on avait, c'est pareil, aussi une tournée assez importante en France. Et on avait deux dates à l'étranger, qui étaient des dates à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg. Et c'est les dates, en fait, c'est les seules dates qu'on a faites. Voilà. Qui étaient aussi les dates les plus compliquées à la base, qui étaient les moins sûres, quand même. Oui, c'est drôle, parce que c'est drôle. Effectivement, en fait, au départ, on devait faire ça dans une salle en fait, qui n'était pas vraiment appropriée au spectacle. Ils avaient pas mal de difficultés à faire rentrer le décor. Et donc, ils avaient décidé, en fait, on devait la faire au mois de novembre, ils avaient décidé de la repousser au mois de février. Pour des raisons techniques, etc., il fallait qu'ils trouvent une autre salle. Et puis, ils ont trouvé une autre salle. Ça a été décidé au mois de février. Et si on n'avait pas fait, si on avait joué en novembre, on ne l'aurait pas joué parce que voilà, on n'aurait pas pu le jouer. Quoi. Mm. Donc, on a eu de la chance et Luxembourg a eu de la chance de nous voir. Et j'imagine non, que vrai, quand mais... même, ça fait du bien de se retrouver. Oui, en fait, après, c'est des conditions qui étaient un petit peu particulières parce qu'effectivement, voilà, on avait une programmation assez longue, une tournée assez longue, ce qui voulait dire qu'on aurait dû répéter, jouer avant, etc. Là, on s'est retrouvés, en fait, en dernière limite à me dire, bah oui, vous allez le faire. Donc, on est parti un petit peu comme ça, sans vraiment l'avoir préparé. On s'est retrouvés le jour même dans une très grande salle qui n'avait pas du tout le même espace pardon, que le Vieux Colombier. Là, on l'avait joué auparavant. Donc, il a fallu un petit peu modifier, réajuster un peu le spectacle. La première a été pas forcément facile, parce que voilà, à cause de ces réajustements, mais la deuxième était très belle. Donc, je pense que d'ailleurs que le public n'a pas du tout vu, enfin j'espère, les toutes petites difficultés, les tout petits réajustements qu'on a eus, mais c'était quand même, c'était vraiment beau de le faire là-bas. Quoi. Oui, et puis au moins de vivre même un peu cette tournée. C'est, voilà, on a fait deux dates, ça existe, mais c'est important. Ça porte un petit peu. Oui, c'est tout qu'en plus, c'est dommage, et en même temps, voilà, Claire le dit justement, c'est le mérite d'exister. On a refait le décor exprès pour la tournée, etc., parce que forcément, les lieux qui nous accueillaient étaient des lieux un peu plus grands. Et voilà, donc forcément, il y avait toute une mise en œuvre qui avait été importante. Il y avait, et puis, bon, on l'a fait deux fois. Voilà. Alors, dans cette période qui est donc compliquée, ça force d'une certaine façon à réinventer beaucoup de choses. Et là, on se retrouve ensemble pour parler de ce théâtre à la table de cette semaine. Une pièce de Marivaux, comme ça d'emblée, on se dit que Marivaux à la table, est-ce que, là, on parlait du corps tout à l'heure, est-ce que le corps juste assis sans porte qui claque, sans tout ça, c'est un défi particulier. Oui, là, on n'a que le verbe. Oui. On n'a que le verbe c'est vrai que moi, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que c'est la pièce que j'ai jouée quand je suis sorti de l'Assas à Bruxelles. C'était mon travail de fin d'études. C'est vrai que l'exercice du travail à la table, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, c'est comme si on voyait une séance de travail, comme si on voyait l'intermédiaire. C'est ce qu'on fait avant de monter sur le plateau. En général, on décortique le texte, on essaye de voir, on essaye de le comprendre, on essaye de voir les couleurs des personnages avant de monter sur le plateau. C'est un stade. Mmh. Et l'avantage des acteurs de bonne foi, c'est que on a besoin de, déjà, le spectacle en lui-même n'a besoin de rien. Et moi, ce qui m'attire dans cette pièce, c'est que ça raconte quoi ? Ben, ça parle de théâtre. Mmh. On n'en sort pas. C'est une mise en abîme, mais c'est des gens qui jouent à jouer tout. Enfin, voilà, il y a un groupe de paysans qui ont une commande et pour le mariage d'un des nobles, ils doivent inventer une pièce de théâtre et la représenter pour le mariage. Et donc, ensemble, ils essayent de... Sous un canon, à l'impromptu, ils vont jouer, comme on dit, un reste de la Commedia dell'arte. Mm. Puisque Marivaux, il a pas mal écrit pour les Italiens, donc il y a des petits restes de ça. Merlin, qui est un peu le patron de ces paysans, à qui on a fait la commande de la pièce, il s'amuse.
dans ces paysans, il y a deux vrais couples. Et il va s'amuser, dans la fiction de la pièce, à inverser les couples. C'est une sorte d'expérience. Et il va voir ce que ça va donner. Et effectivement, certains personnages vont se prendre au jeu et vont oublier que c'est une comédie et vont... les amours vont se croiser. Il y a quelque chose d'un peu grinçant quand même. Oui, une sorte de... un peu comme dans la... Enfin, Marivaux, il aime bien faire des expériences sur, sur l'amour. Mm. Il aime bien être comme un observateur et il a l'art d'inventer des situations où on peut faire des expériences sur ça. Et d'ailleurs, vous avez joué ensemble le jeu de l'amour et du hasard, ouais. Et vous, l'heureux stratagème, c'est une langue que vous parlez, et rien que d'entendre le titre l'heureux stratagème, ou bien les acteurs de bonne foi, les jeux de l'amour et du hasard, je trouve qu'à chaque fois, il y a cette idée, déjà dans le titre en fait, c'est déjà contenu, il y a une sorte de condensé, et ici, cette pièce en un acte, est-ce que ça ne ramasse pas encore davantage les choses? Ah mais... Oui, cette pièce a la particularité d'être extrêmement ramassée. Je pense que c'est la dernière que Marivaux a écrit. Oui, c'est tardif. Et elle est relativement peu verbeuse et l'action avance très vite. Mm. Et voilà, puis ce qui est amusant de faire cette pièce-là en lecture, c'est qu'on est tous au même niveau, on est tous à une table, et parfois on joue la comédie, et parfois on joue à jouer la comédie. Mm. Et tout ça se mélange encore plus parce qu'on est au même niveau. On ne monte pas sur une petite scène pour faire théâtre et on est tous là autour d'une table à jouer. Et ça, est-ce que ça demande quelque chose de particulier que de rendre encore plus lisible ce maillage du texte où il y a à la fois ce qui est joué, à la fois la réalité des personnages et en même temps le jeu de se jouer, de ce qui joue? Est-ce que le ça, fait c'est de... C'est impressionnant parce que c'est lui qui dirige le... oui, c'est à lui de nous dire si on y arrive. Mais... Non, mais évidemment, forcément, enfin, j'imagine que... Enfin, quand on est à table, on essaie d'abord de décrypter, de déchiffrer un peu les choses, donc de rendre clair le plus possible le texte, et qu'on essaie de trouver les astuces, parce qu'effectivement, on ne va pas faire par le corps, pour pouvoir le faire résonner davantage, l'éclairer davantage. Donc... là, pour le coup, pour le travail qu'on a fait cet après-midi, tu as voulu vraiment, effectivement... en tout cas pour la pièce faite par les paysans, entre guillemets, qui vont jouer, tu as voulu que ça soit clair, en fait, les moments de jeu et les moments où, tout d'un coup, les choses débordent, où la sincérité, où les personnages n'existent plus, mais les personnes prennent le relais. Voilà. En tout cas, au début, il faut donner ce code-là. Mm. Maintenant, après... Pour être libre dedans. Le code se raplatit et tout se mélange. Mm. Bon, Alexandre, lui, il fait un personnage qui ne... Alors, qui est Eras, oui. Ah, alors, Eras, ben, c'est le... Alors, je suis désolé, le jeune marié. C'est le jeune marié, en fait, qu'on a promis, en fait, à la fille de madame... rappelle-moi son prénom. Il y a plein. Madame Margante. Hein? Non, oui, madame, tu es le neveu de madame Hamelin. Oui, c'est ça. Je suis promis à Angélique, la fille de madame Argante. Et on va célébrer ce mariage chez madame Argante. Sauf qu'on a demandé, en fait, c'est madame Araminte, enfin, c'est pas madame Araminte, c'est madame Hamelin, pardon, ma tante, qui a commandé, oui. C'est ça, une pièce à des paysans pour, à l'occasion du mariage. Mais d'une façon un peu vicieuse, non? Non. Non, il pas, non, 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 non. Ah, s'il y a un vicieux, du coup, c'est Merlin qui lui va s'amuser. Pour faire payer, entre guillemets, qu'elle ait adhéré à cette mésalliance, elle... C'est plus tard. C'est-à-dire que ce qui est étonnant dans cette pièce, c'est qu'en fait, il y a deux pièces dans la pièce. Mm. C'est-à-dire qu'il va avoir la comédie jouée par les serviteurs paysans, et après, comme vous dites, pour se venger, enfin, pour un événement... un événement va faire que Madame Hamelin va aussi décider de jouer la comédie de son côté à Madame Argante. Mmh. Donc, les nobles, les paysans, chacun vont faire leur comédie. Ouais. Dans ces cas-là, on les sépare, les nobles d'un côté, les paysans de l'autre, dans ce théâtre à la table? Non. Ou c'est, je veux dire, est-ce qu'on... Enfin, si, il y a des groupes, ils sont on est à la même table. Ouais. Moi, il y a un petit espace différent, enfin, en tout cas, voilà.
Les nobles sont d'un côté, mmh. et puis les serviteurs, enfin les paysans sont de l'autre. Et vous alors, vous êtes Colette. Qui est Colette? Elle est de quel côté de la table? Elle bosse, Colette. Elle fait partie de la présentation. Oui, d'accord. Elle est du côté des paysans. Elle est du côté des paysans et un peu du côté de Merlin. Ah oui. C'est ce qu'on se dit, hein, plus on avance, plus on se dit, ah, Colette, dis donc, elle joue avec elle. Elle est coquine, hein? On sait pas. Mais elle joue la comédie, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on sait plus trop. Est-ce qu'elle joue premier degré ou elle joue qu'elle joue? Premier degré. Mm. Jusqu'à ce que. De toute façon, il va falloir écouter la lecture pour savoir. Oui, c'est ça. Là, vous êtes sûr, évidemment. Les téléspectateurs seront en dessous samedi. Chez certains personnages, ils se révèlent à travers la comédie. Par exemple, Colette, elle est promise au fils du paysan Blaise. Et ils doivent tous les deux jouer la comédie, mais ils jouent maladroitement, mais extrêmement sincèrement. Et dans l'histoire de Merlin, on inverse les couples. Colette est censée être amoureuse de Merlin. Mais elle est tellement sincère qu'on se demande... Si elle n'en pense pas vraiment. Si elle n'en pense pas vraiment. Mais c'est ce qui est beau d'ailleurs dans la pièce de Marivaux, c'est qu'en fait, il arrive en fait à mettre comme préalable que le théâtre, c'est aussi la réalité, c'est aussi fort que la réalité. Et qu'au fond, une représentation peut troubler à tel point que les gens en fait s'y méprennent et pensent que c'est la vérité, quoi. Mais c'est ça qui est très beau, en effet, c'est cette extrême sincérité. Là, je repense deux secondes au jeu de l'amour et du hasard, mais Dorant, il est bouleversant de sincérité, justement. Ah ben bah, oui, c'est des gens qui sont tellement trimballés, enfin, ouais, ils sont vraiment mais arrachés en fait de leur intime. On les déplace tellement qu'ils sont totalement bouleversés, quoi. C'est des gens bouleversés beaucoup chez Marivaux. Il y a des gens beaucoup de bouleversements. Mais quand je dis bouleversements, c'est des métamorphoses. C'est des voilà, ils sont obligés de réagir à des situations totalement folles, quoi. Oui. Et est-ce que dans ces cas-là, ce qu'on dit comme ça de temps en temps, un peu légèrement, le marivaudage, c'est du babillage autour des émois amoureux. Est-ce que c'est que ça? C'est bien plus conséquent que ça. Dans vos expériences de diverses pièces, de celles-ci évidemment que vous avez découvertes là, mais aussi des autres que vous auriez pu jouer, il y a une épaisseur, bien ouais, plus que drôle. Juste un babillage quand même. C'est drôle en fait qu'on ait reconnu, enfin j'imagine que c'est surtout au 18e et puis un peu au 19e, on disait effectivement Marivaudage, un peu léger et un peu presque creux en fait, où on affleure le rien, on affleure juste le détail, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, la lecture plus profonde, et elle est presque venue, en fait, avec, peut-être une bêtise, mais avec la psychanalyse. En fait, on voit bien que les choses échappent aux gens, l'inconscient, et puis des metteurs en scène, des grands metteurs en scène du XXe siècle, ont en fait pris effectivement le biais de peut-être le drame, voire la tragédie, dans ces pièces-là qui sont a priori des choses comiques ou des choses un peu des comédies, quoi. Et on a ouvert en fait les possibilités, les champs de lecture de ces œuvres-là. Et ça, c'est vachement chouette, quoi. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle pièce de Marivaux et se dire oui, bon, on s'en fiche un peu. Et en fait, à chaque fois, même celle-ci, on pourrait se dire oh, bah, c'est gay, c'est une petite comédie en un acte. Et ben non, elle concentre en effet des drames, de la cruauté. Et c'est vrai que c'est l'inconscient avant l'inconscient. Et en fait, c'est pas des gens cérébraux, il faut que réagir, et du coup c'est toujours le cœur qui parle, et c'est vrai, en fait c'est hyper vrai, c'est pour ça que c'est on a l'impression, effectivement, il parlait de la dispute, mais on a l'impression que c'est un peu comme des animaux qu'on a mis en cage et qu'on terrorise, en fait, et que ils sont dans des endroits... Avec des ressorts c'est tellement ça, forts qu'en c'est fait ça, la quoi. Réaction ouais, est... Voilà, quoi. Ils sont vraiment épinglés, voilà, et qu'ils sont saisis par quelque chose, quoi. Quand vous êtes le directeur artistique de ces semaines comme ça pour le théâtre à la table, c'est vous qui choisissez, je crois, les comédiens. Oui. J'imagine que... En fait, que... c'est le plus difficile. C'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus quand vous les avez choisis, par exemple, ils sont là tous les deux, Alexandre et Claire, c'est parce que... Ça, c'est des questions pour Jean-Claude. Non, il marche tout seul. Hein.
Non, mais c'est bien parce qu'ils ont, ils ont quelque chose déjà qui est une proposition. C'est ça que vous diriez? Parce qu'il y a quand même toujours ce truc de... Bon, l'acteur, il, c'est Eric Ruff qui disait ça, que c'est un porteur d'eau. Je veux dire, il se fait le porte-voix de, d'un texte. Donc, lui-même serait censé être, j'allais dire, une carcasse prête à s'emplir de toutes les paroles. Mais non, il y a aussi quelque chose de profond qui fait que vous vous oui, dites... Oui, bien sûr, bien sûr. On imagine une couleur pour certains personnages et puis il y a l'acteur qui arrive derrière. Et comme c'est des travaux rapides, je n'aime pas, en même temps, je n'aime pas dire qu'on a chacun un emploi, hein, parce qu'on est tous catalogués, les tragédiens, les comiques, les machins. J'aime, c'est très intéressant pour un comédien de voyager, mais ici, quand même, on est le travail rapide, donc on prend quand même, on sait que tel acteur va être efficace pour ce rôle-là, et on ne se prive pas de ce raccourci-là. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette question aussi des limites du jeu, elle est dans ce texte de Marivaux, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on est par nature ou qu'est-ce qu'on devient, et est-ce que pour un acteur c'est plus simple d'une certaine façon de jouer quelque chose qui serait un rôle proche de vous ou de prendre complètement un contre-emploi. Pour le coup, je pense que ça n'est, enfin, des rôles proches de nous, je ne crois pas que ça existe en fait. Je pense qu'on a, enfin, en tout cas, pour moi, je le perçois comme ça. Mm-hmm. Je le perçois. C'est que je pense qu'on a une humanité entière, voilà, qu'on est capable de beaucoup de choses, les pires comme les plus drôles, comme les plus folles, etc. Et qu'il y a des écritures qui peuvent correspondre un peu plus, effectivement, où, par exemple, physiquement, on pourrait correspondre à quelque chose immédiatement. Le cinéma le fait très bien. C'est vraiment qu'on va prendre un acteur pour ce qu'il est, en fait, pour ce qu'il représente. Mais au fond, j'imagine et j'espère que tous les acteurs peuvent tout jouer d'une manière différente à chacun. Enfin voilà, ça donnera des couleurs différentes, mais je pense qu'on peut tout jouer. Est-ce que c'est pas la force d'une troupe, ça, Claire ? Que justement, en tout cas pour le public, je trouve, hein, c'est un peu comme le ballet de l'Opéra de Paris, de voir un même danseur dans différents emplois. C'est comme vous, ici, aux Français, d'avoir la chance de voir ces mêmes acteurs, un coup dans Les Damnés, un coup dans Mithridate, un coup dans La Biche, un coup dans... Mmh. Oui, moi, j'adore voir ça. Voir la troupe des acteurs changer d'endroit, ou je trouve ça plutôt réjouissant. Surtout que enfin, moi je sais que personnellement, quand on me dit non, mais c'est toi le rôle, ça me perturbe beaucoup. Je suis vraiment comme ça. J'aime bien en tout cas ça, me déplacer, quoi. J'adore. Ah, puis c'est chouette. Enfin, on a le sentiment en fait en plus d'évoluer, de chercher, de voilà, et de se transformer nous-mêmes en fait, de pas être dans un endroit, parce qu'en fait la facilité au fond elle amène qu'à l'immobilité, alors que quand on est obligé de faire des choses qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait rien de toute façon, mais qu'on sait peut-être encore moins, qu'on s'imagine encore moins savoir, eh ben c'est prenant, c'est du challenge qu'on a envie, voilà, il y a de l'envie, il y a du désir. C'est la force de metteur en scène aussi. Oui, comment ? C'est la force de metteur en scène aussi, que de vous pousser dans le changement, de vous prendre à contre-emploi d'une certaine façon. Oui, je crois qu'on a peut-être plus l'occasion de voyager dans ces couleurs différentes à l'intérieur de la troupe qu'à l'extérieur. Mmh. À l'extérieur, on est plus dans des cases, on est plus dans des catégories. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ici, j'ai plus privilégier le caractère des comédiens plutôt qu'une uniformité ou une vraisemblance, d'âge. Par exemple, Alex, quand il me propose le rôle, il dit « Mais je suis trop vieux, moi jeune premier, moi jeune marié. » Il faut dire qu'il y a 20 ans normalement, hein. Mais je n'ai plus 20 ans. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir persuadé de faire ça, parce que il incarne le vide et la bêtise avec un génie de manière magistrale. Et non, mais c'est que pour, enfin oui. Et de changer de rapport aussi entre nous, c'est amusant parfois. Parce que parfois, on a des acteurs avec lesquels on joue tout le temps, ou on est tout le temps amants, ou alors on est souvent sœurs. Et de changer de rapport, tu dis, tiens, on est rivaux. Mmh. Ah, t'es mon patron. Mmh. Ah non, cette fois, je suis ton serviteur, cette fois. Ça donne un twist. Ouais, on se surprend les uns les autres. En fait, ça nous stimule. Ça nous... Voilà. Est-ce que cette proximité de la table, dans le jeu, on n'est pas obligé de porter son corps, on est peut-être moins obligé de porter sa voix, on l'évoquait tout à l'heure.
En termes de couleurs, vous évoquiez, Christian, les couleurs, ça fait trouver d'autres choses, le fait d'avoir juste ce buste qui joue, parce que je crois que vous bougez pas de votre chaise, donc non. C'est quoi, c'est le buste, les bras, j'imagine, les mains ou pas. Et encore, et oui, mais moi je me rends compte que ça ne marche pas très bien. Mm-hmm. Enfin, on en a fait plusieurs, des lectures à la table, et tous les metteurs en scène essayent on essaye de trouver de la diversité dans chacune des expériences. Mais moi, personnellement, finalement, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on reste assis, qu'on ne bouge pas, qu'il n'y a pas d'accessoire et qu'on est là avec... Mais évidemment, j'ai choisi la pièce qui s'y prêtait. Mm-hmm. Mais je trouve ça plus efficace. Et on a... Et même les mains ne fonctionnent pas, je trouve. C'est juste la voix, oui, et le visage. Non, ça déplace quelque chose, en fait. Oui. On est à la racine même, en fait. Pour nous aider, quand quelqu'un s'éloigne ou quand quelqu'un arrive, on doit porter la voix pour faire signifier que la personne est plus loin. On peut un peu s'amuser avec ça, mais sinon c'est vrai qu'on porte moins. Mais moi, ce que j'aime, ce que tu as dit d'ailleurs, effectivement, c'est très vrai, ce que j'aime dans ces exercices-là, c'est que c'est des exercices de travail. C'est comme si on montrait un peu de l'intime d'une répétition. Les premiers moments de répétition qu'on a quand on est engagé sur une production et un spectacle, et on lit à table notre texte, etc., et on commence à travailler. En fait, c'est un peu ça, en fait, qu'on donne à montrer. C'est pas un spectacle, c'est pas un spectacle de théâtre, c'est une proposition autour d'un texte qui est un texte de théâtre, et puis comment le faire résonner avec ce moyen-là qui est une table, des gens assis généralement avec le texte en main, on lit, on ne sait pas le texte, et donc forcément ce n'est pas du tout la même chose que ça ne va pas rendre ce que ça devrait rendre, je ne sais pas ce qui doit être rendu, mais en tout cas ça ne sera jamais un aboutissement, c'est une étape. Ouais. Voilà. Il y a plein de contraintes, hein. On ne peut pas regarder son partenaire, on regarde son texte, donc on manque des choses. Quand on doit tourner la page, il y a un temps n'est pas juste. Il y a plein de contraintes. Ou si on regarde son partenaire tout d'un coup, ben, c'est à moi de parler. Voilà. Il faut bien mettre son doigt quand on peut, pour retrouver. Mais c'est un bel exercice parce qu'effectivement, en fait, ça nous oblige à être concentré, précis sur ce qu'on doit faire, etc. Et peut-être que ça nous empêche aussi d'être dans une espèce de fausseté du corps qui prendrait le pas sur et puis peut-être des premiers moments, en fait, des premiers jaillissements du corps, enfin, des choses comme ça qui nous viennent mais qui ne sont pas forcément justes. Enfin, voilà, après, ça nous oblige à nous concentrer et à fixer notre attention sur juste le texte. Et après, comment dire ? Ce texte, si on s'arrête un petit peu sur cette langue de Marivaux, c'est, en plus là, avec ce maillage comme ça, différent, à la fois les paysans, ceux qui se moquent, le jeu, pas le jeu, etc., mais il y a quand même un parfum toujours assez particulier de cette langue et une rythmique très particulière. Ouais. Vous qui sortez de Racine, par exemple, vous étiez dans Mithridate, c'est radicalement différent. Voilà, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, c'est qu'on est confronté à des œuvres et à des écritures totalement différentes. Et c'est vraiment des vrais supports. En fait, c'est ce qui nous donne la matière, en fait, nous, à jouer et à incarner les choses. Ça passe aussi par l'écriture. Si c'était écrit différemment, j'incarnerais les choses différemment. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette langue-là, de Marivaux ? Alors, comment elle est dans votre bouche ? Est-ce que c'est une langue qui vous est les uns les autres, plus ou moins naturel? Est-ce qu'il y a un plaisir de son rythme, de ses couleurs? Là, c'est un peu justement... comme ça, on c'est un cas particulier ici. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un accent un petit peu. Mmh. Et en plus, c'est vrai, ce qu'on disait, c'est ça réfléchit pas, ça fait que réagir. Du coup, entre l'accent, peut-être sur le texte, tout ça, c'est périlleux, mais c'est très jouissif à faire. Mmh. Mais oui, j'ai un accent. Mais il y a des secrets à découvrir. Et parfois, c'est même pas dans comment diriger les acteurs ou travailler sur l'intention. Parfois, juste si le rythme est bon, il n'y a rien à jouer. Mmh. Ça fonctionne tout seul. Il faut juste trouver l'arithmétique, le dynamorythme du texte et... C'est marrant parce que là je vois le texte, mais ce qui est très beau par exemple, c'est pourquoi tout d'un coup il y a des passages qui font 5-6 phrases et puis tout d'un coup juste après une phrase. Et comment trouver le rythme de ça en fait ? Pourquoi quelqu'un dit 5-6 phrases, il y a une espèce d'élan comme ça de parole, et pourquoi quelqu'un répond juste une phrase sibling, quoi, hein, voilà. Et que du coup c'est ce qui va donner aussi la matière de jeu en fait.
Ça, c'est chouette. Hein. Et le fait que ce soit comme ça, très ramassé en un acte, est-ce que ce n'est pas l'essence même, enfin, c'est un Marivaux tardif, mais est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans cette pièce-là, un petit peu tout qui s'est retrouvé en concentré? Tout le monde a cité les Marivaux qu'il avait joué. Ah oui, c'est comme dans chacun sa vie. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça, est-ce mais qu'elle n'emmagasine pas? Mais pour moi, on sent une grande maturité. Je ne suis pas un grand spécialiste de Marivaux, mais on sent une grande maturité et je trouve qu'on se dirige vers la simplicité verbeuse. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être m'assassiner. et moi, je suis assez d'accord avec ça parce que je trouve que les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire. Et pour moi, ce sont les plus belles. Et je trouve que Marivaux, il a été vers sa plus belle pièce, avec celle-là, qui est très dense. Et le texte est assez simple. Mais moi, je sais que chez Marivaux, j'aime bien la complication. J'aime bien cet état où tout d'un coup, les personnages, en fait, s'embrouillent eux-mêmes dans une espèce de verbe comme ça qui se déchaîne pour essayer d'expliquer un sentiment, quelque chose, une intimité, et qui s'y perdent totalement en fait, et je trouve ça très touchant en fait. Je trouve que ça raconte vraiment qui nous sommes aussi, des fois, à quel point on peut s'auto-aveugler, enfin, en tout cas par une espèce de parole qui viendrait délivrer une espèce de vérité mais qui n'en est pas une, puisqu'en fait c'est du faux semblant, enfin, on se cache à soi-même sa vérité, quoi. C'est ça, parce que tromper l'autre, c'est quand même souvent se tromper soi-même, hein, chez Marivaux. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a encore quelque chose de particulier, c'est qu'il y a une mise en abîme du théâtre. Et je pense que ça, à jouer 40 fois, 80 fois, ça doit être vraiment une régalade. Mais vraiment, de se dire, qu'est-ce que c'est, on joue pas. Je pense que c'est inépuisable. Ouais, on peut régler, faire plein de réglages différents à n'en plus finir. Ouais. Je sais pas lequel est vraiment juste. Mais on peut s'amuser à faire... Et puis je pense que pour nous des acteurs, c'est aussi... évidemment, c'est très joyeux, c'est très plaisant d'être des acteurs, enfin, qui jouent des acteurs, enfin, des personnages qui jouent du théâtre, etc. Donc il y a quelque chose d'assez... on raconte notre métier aussi. Hein, voilà, il y a un truc qui est très plaisant aussi là-dessus. Bon, il n'y aura peut-être pas tout ça samedi. Non. Et puis ce que je trouve aussi quand même assez d'un signe un peu distinctif du théâtre de Marivaux, c'est qu'on a... Comme vous le dites très bien, Alexandre, en effet, il s'embourbe de temps en temps ces personnages, de temps en temps la terre se dérobe, même de désespoir, dans ce désespoir complètement sincère et profond, et il y a toujours une sorte de pas de côté possible qui peut avoir un sourire. J'ai l'impression qu'il y a toujours aussi cette espèce de d'écho en fait possible, non? Vous diriez pas ça? Il s'amuse à faire énormément de détours. Les gens sont assez pudiques et ne disent pas vraiment la chose. Ils trouvent des dizaines de manières de dire la chose juste à côté. Parce qu'ils n'osent pas... ils sont trop pudiques pour aller... Et c'est ce qu'on peut appeler ça aussi le marivaudage, c'est cette complexité verbeuse qui fait que on contourne, non, je ne te dis pas que je t'aime, mais je ne te déteste pas tout à fait quand bien même, enfin bon, et ça peut... ici la complexité, elle est ailleurs, elle est, pour moi elle n'est pas... Je ne pense pas trahir tous les acteurs qui vont la lire en disant qu'il a des grosses pages, des grosses tartines de texte à dire, très compliquées. Mais par contre, la situation est compliquée. La difficulté est ailleurs, dans celle-ci. Et notamment, on a l'impression, donc, dans le rythme, c'est ça que vous nous dites aussi. Ces grandes phrases, et puis tout d'un coup, paf, juste une... Oui, enfin, après, c'est pas forcément la pièce la plus exemplaire de Marivaux pour ça, mais ça existe. En fait, on parlait en fait des différentes écritures, et qu'au fond, les écritures, elles racontent... peut-être aussi comment le rythme, enfin comment jouer ça aussi. C'est-à-dire que des alexandrins imposent un rythme qui va être radicalement différent de l'écriture de Marivaux ou que de l'écriture, je sais pas, de Coltès. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'écriture même raconte presque le souffle, la façon de parler, la chose qui se dit et la façon d'être du coup. Mais c'est vrai que c'est une belle matière, c'est très, très, comme on disait, c'est dense.
et c'est très vivant, quoi. On se rend compte, bah, entre les grosses répliques, les petites répliques, les différences de ton, parce qu'il joue, il joue plus, c'est une partition, une jolie partition très vivante. C'est vraiment, voilà, tous les textes sont des partitions qu'il faut arriver à déchiffrer. Il faut trouver la bonne, le bon tempo et de la bonne musique pour chaque texte, mais chaque auteur, hein, voilà, c'est ça, quoi. Oui, il n'y a pas qu'une musique pour Marivaux, il y a autant de musique de Marivaux que de pièces. Et après, ça se ressemble quand même. Oui, il y a des clés qu'on ne voit pas tout de suite, il y a des petits secrets qu'on doit essayer d'aller, il faut essayer de gratter un petit peu pour voir comment on passe de cette intention-là à celle-là, de cet état-là à celui-là, dans quel rythme. Et voilà, et c'est pendant cette petite semaine qu'on essaie d'ouvrir quelques portes. On ne les ouvre pas toutes, parce qu'il y en a aussi où le corps va aider à ouvrir les clés. Et là, on n'a pas le droit à son corps, mais on peut déjà en ouvrir pas mal rien qu'avec la voix. C'est drôle parce qu'on entend que c'était une pièce importante pour vous, Christian, parce que ça a marqué la fin de vos études, de même que 20 milieux sous les mers, Jules Verne. J'imagine qu'il y a aussi des souvenirs d'enfance qui sont charriés là-dedans. Si vous deux, Alexandre et Claire, on imaginait un peu les choses comme ça, un peu intimes, de premier théâtre, de choses qui vous accompagnent. Est-ce que vous, quelles étaient vos, peut-être vos petites madeleines si aujourd'hui vous deviez choisir une pièce qui vous accompagne, qui fait sens, qui rappelle beaucoup de choses, qui est une pièce un peu importante? Il y a quelques pièces qui sont importantes. Non, moi je sais que j'ai des grands souvenirs, des souvenirs en tout cas émus, enfin, de travail avec Pierre Debauche ou Madeleine Marion, que j'ai eu successivement, là, dans son école, l'école Pierre Debauche, et Madeleine Marion au Conservatoire National, où j'ai pas mal travaillé avec eux, du Racine ou du Claudel. Et je pense que c'est des moments, en fait, de travail qui m'ont beaucoup fait avancer. Voilà. Voilà. Mmh. Marivaux, non, ça a plus commencé ici. Mmh. Mais je sais pas si ça répond à la question, mais peut-être que je... les rôles muets, juste les rôles de présence, ça me rappelle comme un début d'accès au théâtre. Ouais. Du corps, finalement. Ouais, ouais, on boucle la boucle. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus, et surtout, chers téléspectateurs, surtout, restez branchés, parce qu'à suivre immédiatement un reportage exclusif sur donc cette première session de travail à la table avec ce Marivaux. Ça a été capté juste aujourd'hui. Et puis, rappel évidemment donc de la diffusion, c'est filmé le vendredi et c'est diffusé sur les plateformes de la Comédie-Française, Facebook et YouTube, samedi à 20h30. Et quelle comédie! Eh bien, c'est à nouveau lundi prochain avec, comme d'habitude, Béline Dola. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. D'accepter de lire cette chose. Bon, alors, je ne vais pas vous faire des grandes révélations sur cette pièce. Ce que j'ai juste à vous dire, c'était mon spectacle de fin d'études, Les acteurs de bonne foi, quand j'ai fait l'école à Bruxelles. Et j'en ai gardé un tellement bon souvenir de cette pièce que j'ai voulu la faire lire. Voilà, moi je faisais Merlin. T'as voulu salir ce mot, hein? T'as voulu salir ce beau souvenir. Exactement. Donc, c'est la dernière pièce que Marivaux a écrite. Et j'adore cette pièce. Elle est courte. Et ça, c'est chouette aussi. Elle est courte, elle est rapide. Elle va vite. C'est-à-dire que les événements s'enchaînent très, très vite. Il n'y a pas de grands marivaudages, enfin, il n'y a pas des grands discours. Et ça me plaît beaucoup. Ce qui me plaît aussi de faire cette pièce-là à la table, c'est que ça va nous aider à mélanger encore plus la réalité, entre guillemets, et le théâtre. Hein, on ne va pas se mettre sur un petit podium pour, et faire mine de parler plus fort pour faire jouer à jouer. Non, là, on est tous sur un même niveau et ça m'intéressait de voir qu'est-ce que ça donne cette pièce en lecture simple. Moi, mon idée, c'est de faire justement une lecture simple, sans accessoires. Pour ce qui est des costumes et des coiffures, c'est au plus simple, sans faire des fautes de goût de couleur, mais des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Et cette pièce n'a absolument besoin d'aucun accessoire.
J'ai pas envie non plus que tout le monde... Je veux que tout le monde soit présent tout le temps. Il n'y a pas de gens qui se lèvent. Hein. Donc, il y a des... vous allez être tout le temps présent, même quand vous n'êtes pas présent dans la situation. J'ai juste demandé à la lumière qui sélectionne les personnages qui sont présents. C'est tout. C'est assez simple. Et ça se tournera ici, Christian ? Oui. Avec cette équipe-là ? Avec cette équipe-là, les acteurs qui sont ici. Donc, c'est nous qui allons lire ? Oui. Donc, Benjamin va jouer Monsieur Merlin. Bravo. Monsieur Merlin qui est le serviteur. Donc, ça, alors c'est très simple. Hein. La table se divise en deux équipes. À partir de là, c'est tous les gens qui travaillent pour gagner leur vie. Et tous les gens là, c'est tous les gens qui n'ont pas besoin de travailler. On peut dire bourgeois, noble, en tout cas. Voilà. On va dire la classe supérieure est de ce côté-ci. Donc inférieure dans le cœur de Marie-Marie. Complètement. Donc, tu sais, on sait bien. Hein. C'est pour ça que je me mets ici. Benjamin va jouer Merlin. Merlin, qui est celui qui a comme commande d'organiser une petite pièce de théâtre en l'honneur du mariage de son maître. Éraste. Enchanté. Oui, Éraste, qui est le neveu. De madame. De Madame Hamelin. Marina va faire Araminte, une amie de Madame Hamelin. Madame Argante va faire la mère d'Angélique. Oui, c'est Madame Argante. Angélique qui est promise à Éraste. Blaise, qui est un fils de paysan ou de jardinier, je ne sais plus. De fermier. Qui est l'amoureux de Colette. Qui, elle, est la fille du jardinier. Élisette est la dame de compagnie d'Angélique. Et c'est qui son amoureux ? C'est Merlin. Et c'est Merlin. Voilà. Merlin est promis à Lisette. On a tout compris. Et le notaire, c'est moi. Ah mais alors Claire, toi tu fais Lisette, Claire, c'est ça ou Colette? Colette. Ah mais je peux rien, je demande. Dis-moi, ils le font avec accent alors. Oui, et je vais même faire un essai, je vais leur mettre du. Non mais ils ont une drôle manière de parler. Maintenant il y a des partis pris à prendre ou à ne pas prendre. Ce qui est amusant aussi dans cette pièce, c'est que d'un côté, les paysans vont faire une pièce de théâtre, mais aussi la caste supérieure va s'en faire une aussi. Malgré elle, enfin, bon. Elle a lu. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire quand on va interpréter un rôle? Il y a des gens qui vont se dévoiler à travers ces rôles. Je pense à Colette. Colette qui... On le lit, à mon avis, elle en pince quand même pas mal pour Monsieur Merlin. Et ça l'arrangerait bien que la pièce soit réalité. Et maintenant, du côté noble, on a Madame Hamelin. On a Araminte, pardon. Araminte, elle avoue, on entend, on comprend dans la pièce qu'à un moment donné, elle a avoué qu'elle en pinçait un petit peu pour Éraste. Mais elle le vit de manière beaucoup plus mature que Colette. Elle est digne. On ne sait pas vraiment si elle est triste ou pas, que ce mariage... Il y a un petit mystère là-dedans. C'est à nous de... On peut choisir, avec des curseurs, si on la rend déçue ou pas, ou joueuse, ou... on verra avec la lecture. Par contre, les grands perdants... Enfin, le grand perdant, c'est Blaise, parce que lui va tomber la tête la première dans la fiction... Et il va être très très malheureux et il va croire perdre sa Colette pour toujours. J'aimerais bien, avant de commencer la lecture, on ne doit pas traîner parce que Nicolas nous quitte en milieu de séance. Et donc on va commencer, parce que le début de la pièce, c'est surtout, ça commence par eux. Enfin, ça, d'abord, ça commence par vous deux et après, c'est les paysans.
je voudrais essayer de mettre quelque chose dans vos bouches pour accentuer votre difficulté de parler correctement le français. Est-ce que ça vous tente? Je sais pas, hein. Regarde. Ah, le pardon. Je sais pas, ouais. Par exemple. Ah oui, tu vas la défendre. Ça te fait parler. C'est des paysans. Non. Et peut-être ça. Ça peut peut-être nous aider pour. T'en fais des neuneux, quoi. Ouais. C'est pas que c'est des neuneux, mais comme ça va être un peu les dindons de la farce, je trouve ça encore plus cruel s'ils ont du mal à parler. Et si j'étais plus neuneux. Mais c'est pas grave, Daniel. Ah si. On n'est pas à la bonne. Bah si, parce que là, quand même, t'es filmé. Non, c'est pour très jolie, Colette. Ah, c'est pas mal. Fais voir. Mais ça sent assez naturel. Ouais. Ognate. Ça te plaît? Oui. Non, non, ça marche, hein. Ça marche quand même. Ah oui, c'est bien, oui. Je peux en mettre trois. La balle pas, Toto. Je sais, un peu. C'est pas cette tête de rire? Oh là là. Attention, parce que si t'en mets trop... Non, non, tu peux essayer. Mais si t'en mets trop, en parlant, pue, ça peut... Il va en avaler. On dirait qu'il mange un... Non, mais c'est en même temps, la mesure est une bonne chose aussi. Moi, je peux accepter le haut, parce que j'ai déjà des dents de lapin. Non, vous êtes plus classe. Dans le groupe des paysans... Il y a deux paysans. Toi, t'es une femme... T'es une femme de chambre, t'es une dame de compagnie. C'est ça. Et Merlin, il va plus vers le majordome. Eux, c'est fils de jardinier, fils de paysan. C'est plus... Je comprends. C'est un petit truc en dessous. Voilà. Donc, on est... La pièce se déroule toute la journée chez Madame Argante. Donc, on a compris que la belle famille est venue de Paris pour organiser le mariage. Et on comprend aussi assez vite que ce mariage est plus intéressant pour Madame Argante que pour Madame Hamelin. Visiblement, du côté de Madame Argante, on a plus d'argent. Non, tu crois? Non, pardon, on a plus d'argent du côté de Madame Hamelin. J'ai moitié le fric. Voilà. Angélique, c'est une chouette fille, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Elle est très jolie. C'est bon? Ah bah c'est parti. En vitesse, sans articuler.